Comment réagir avec, bien sûr, certaines personnes avec les chocs, et surtout les chocs émotionnels sur les problèmes qu'on vit dans la vie de tous les jours. Alors, les chocs émotionnels, que ce soit la mort d'une personne, ou un divorce, ou on a perdu quelque chose de cher, hein, on va avoir des recommandations pour pouvoir s'aider. Déjà, la première chose, c'est croire en la prédestination d'Allah, que ça vient de notre Seigneur, ou qu'il soit bonne ou mauvaise. Deuxième chose, se réfugier vers notre Seigneur, par la prière, par les aumônes, se réfugier par les invocations, se confier à des personnes positives, des personnes de confiance qui vont vous aider justement à vous remonter. Et être positif, donc trouver des solutions à toute situation, et pour terminer, être détendu. Et ça, bien sûr, c'est que des recommandations avec la lecture, la lauréat, pour pouvoir justement lutter contre les chocs émotionnels.